In youth we trust. In de jeugd hebben we alle vertrouwen. Dans la jeunesse, on a tout espoir. Dat is de slogan van een van onze grootste supportersclubs van RSCA. Maar dat is ook een houding, een prioriteit die we ons gesteld hebben zodra wij hier toegekomen zijn. Dès qu'on est arrivé, on nous a clairement expliqué qu'on a une équipe de jeunes U17 avec du potentiel vraiment très haut. Dus we hebben onmiddellijk gezegd, we gaan er prioriteit van maken, Jean-Luc en ikzelf, met heel veel trots is dat we kunnen melden dat de acht leden van deze gouden lichting U17, die momenteel ook in Engeland zijn, omdat ze allemaal met de Belgische U17 zich geplaatst hebben voor het Europees kampioenschap, dat ze, en ik denk voor vele mensen die het dossier volgen, dat ik mag zeggen, tegen alle verwachtingen in, alle acht getekend hebben en alle acht hun eerste profcontract hier bij Anderlecht getekend hebben. Dus alle acht ook in België blijven. Je vais corriger le président, ils sont pas 8, mais ils sont à 11 entre-temps. C'est-à-dire qu'il y avait déjà quelques joueurs qui avaient signé avant, mais qui font aussi donc partie de cette génération 2001-2002. De namen van de jongens die zich voor minimum 2 à 3 jaar verbonden hebben met Anderlecht zijn Matthijs Suvaï, Anouar Ait El Hadi, Chris Kalilouka, Yari Verscharen, Antoine Colassin, Kilian Sardella, Halim Timassi, Loïc Machaud, Zacharias Antonio Longo, Lucas Lissens en last but not least inderdaad Jeremy Doku. La situation n'est vraiment pas évidente parce que à partir de 16 ans, tout le monde peut signer son premier contrat professionnel. Et que cela veut dire qu'à partir de 14-15 ans, tous les meilleurs espoirs dans lesquels on a beaucoup investi, dans quelques, je pense en Belgique, on peut les trouver ici à Anderlecht, ils sont sollicités extrêmement de toutes les façons. Par des clubs étrangers. Qu'est-ce qui a fait la différence? Premièrement, c'est expliquer aux jeunes que toute la direction, toute la stratégie du club, c'est vraiment vers ces jeunes-là. Le tweede belangrijk iets is de historique. Een historique waarbij dat we toch duidelijk kunnen aantonen dat de beloftevolle jeugd, want niet allemaal brengen ze het nadien tot wereldster, de beloftevolle jeugd, dat degene die het langst bij Anderlecht blijven of voldoende lang bij hun club blijven, dat die de beste carrières opgebouwd hebben. Ik heb gewoon zeer veel zin om te zeggen dat ik heel blij ben, dat ik blij en opgelucht ben voor mijn team medewerkers, voor al de jeugdtrainers die met die talenten al jaar en dag werken, dat die jongens en hun omgeving gekozen hebben voor Sporting Club Anderlecht. J'espère que d'ici 2-3 ans, tout comme le président l'a précisé, certains de ces joueurs-là feront partie de l'équipe première du Sporting Club d'Anderlecht, comme les générations précédentes. Donc moi, je suis très content, très fier, et c'est quelque part aussi un témoignage de respect et de confiance de la part de ces joueurs vis-à-vis du centre de formation, de la formation et de la philosophie du club. Et je suis très heureux d'avoir aujourd'hui le nouveau beleid van de club zoveel aandacht besteedt aan toch wel een mijlpaal, namelijk 8 jongens van 16 jaar oud die kiezen om hun eerste profcontract te tekenen op Anderlecht, ondanks de enorme druk en buitenlandse interesse.